à vivre une crise politique aiguë depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, alors que tout le monde t'attend, t'as pas le dégel de la situation, tout le monde t'attend, t'as pas le gagner une solution à la crise là. Eh bien non. 10 mois après, nous sommes encore en pleine crise, mesdames et messieurs. Depuis quelque temps, nous connaissons gagner un ensemble d'acteurs qui ont battu Koyo, qui ont cherché des solutions, qui ont réuni. Et parmi eux, nous connaissons un ensemble de groupes qui étaient formés. Ariel Henry, eh bien, pour te prendre pouvoir, pour te consolider pouvoir, il est arrivé à faire accord avec un ensemble de structures politiques de l'opposition, côté que monsieur fait accord du 11 septembre. Mais c'est à quoi ça qui fait Ariel pratiquement chita dans la primature, parce que grâce à cet accord, hein, aussi fragile que lié, eh bien, Ariel Henry gagne la paix des rues. C'est vrai, il y a des attaques qui sont faites contre Ariel. C'est vrai qu'il y a des acteurs qui ont attaqué Ariel. Mais cependant, Ariel n'est pas brinding parce que, avec accord en septembre, avec l'appui des groupes tant que SDP, des groupes tant que Fusion, tant que Petite Dessalines, hein, même s'il n'a pas signé accord là officiellement, mais Moïse Jean-Charles soutient Ariel Henry. Il n'a pas jamais attaqué Ariel, donc c'est un soutien. Ariel Henry n'est pas capable de dire, depuis le temps, monsieur, confortable. Mais, confortabilité Ariel Henry après au fur et à mesure, eh bien, il y a une fissure là-dedans, dans la mesure où l'ensemble de groupes qui n'ont encore en septembre retiré Koyo parce qu'ils sont insatisfaits. Insatisfaits pour plusieurs raisons. Il y a qui quittent encore ça parce que tout simplement, ils estiment que il n'est pas appliqué. Mais il y a tout qui quittent parce que vous avez un job de Ariel, ils ne pas joindre. Il faut le dire. Et même si là, il y a qui n'a encore avec Ariel, il y a plein. Même SDP a plaigné. Même Fusion, yo même yo dit, eh bien, Ariel fait du surplace parce que, à quoi ça a été de permettre que yo mette yon conseil électoral provisoire à Capé? Et à quoi ça a été de permettre que yo mette un comité qui t'a pas contrôlé l'action gouvernementale? À quoi ça a été de mener, justement, dans revision constitutionnelle? Et à quoi ça a été de mener yo dans l'élection? Mais 10 mois après, mesdames et messieurs, malgré annonce que Ariel Henry, premier ministre, est fait au Chili, dans une interview exclusive que nous avons gagné, le Conseil électoral provisoire n'a toujours pas été créé. Malgré que l'on dit que, eh bien, il a gagné 9 membres CEPO déjà et qu'il n'a pas publié. Ariel Henry est dans l'impasse. Ariel Henry n'est pas arrivé à avancer. Et de l'autre côté, il y a Montana qui n'a pas les mêmes, qui dans son premier temps était décidé pour ne pas pouvoir nommer Ariel. D'ailleurs, il n'a pas déjà mis Ariel pour le ministre. Eh bien, Moussa, il pral mettre pression, nous songez, il pral organiser une élection au second degré, hein, côté que il pral mettre Fridjan comme président, il pral mettre Sylvain Benoît comme premier ministre. Mais yon même tout bon côté pas bloqué, puisque jusqu'à présent, malgré cette élection, il pas arrivé mettre Fridjan dans le passariel, il pas arrivé mettre Sylvain Benoît comme premier ministre. Donc, la situation est bloquée. En tout cas, la communauté internationale lui-même a fait pression pour que Ariel Henry délivre marchandises là. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Nous songez que, dans la primature là, tu as gagné une rencontre entre Montana avec Ariel qui était fini en queue de poisson. Je ne peux pas même dire que tu es fini, tu peux même commencer puisque, eh bien, monsieur dans Montana, tu es pété coquin, tu as quitté l'espace résidence officielle pour le ministre là. Tout simplement parce que tu dis, tu as fait autant de trop. Depuis de ça, ça fait plusieurs mois, eh bien, Ariel Henry et Montana, eh bien, nous pas jamais rencontré. Nous probablement parlé à travers des personnes interposées, pas personnes interposées, mais jamais, nous pas jamais rencontré. Mais hier soir, mesdames et messieurs, Gazette Haïti News t'a annoncé en primeur, Ariel Henry, eh bien, monsieur déplacé, a rencontré Magali Komodeni, la Cali, contrairement avec ça, Vital Clinton Dedi, c'est la Cali Magali rencontre la fête. Une rencontre qui durait des heures. Ariel Henry était dû arriver à 5 heures. Ariel Henry arrivé à 6 heures moins quart. Et son rencontre qui fait plusieurs heures. Son rencontre qui durait en 3 heures à 4 heures de temps, mesdames et messieurs. Nous allons connaître un détail qui s'est rendu compte ça. Mais cependant, on se proche
réunion ça. Et le fait nous connaît que c'était une rencontre côté que yo t'a essayé déboussailler terrain. Hein. Yo t'a essayé garder qui gens yo capable parvenu à un accord. C'est ça sous cela dit nous. Mais on dit mesdames et messieurs, Ariel Henry marquait un point. En se déplaçant justement pour aller rencontrer Magali Komodeni, qui lui-même était refusé rencontrer Ariel Henry dans la résidence officielle, Ariel Henry marquait un point. En se déplaçant, Ariel Henry montrait que, eh bien, il y a une volonté. C'est si à ça que le voyez. Pas bien, non, Ariel Henry est pour la participer dans le sommet des Amériques qui a fait dans le début mois de juin. Le sommet des Amériques, tu as rappelé, c'est un sommet qui réunit les chefs d'État de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et des pays des Caraïbes. Hein? Côté que M. Balgué pour rencontrer un pile gros autobré, donc M. Besson Bagay pour mettre en bas dans. Hein? Parce que M. Baka là-bas, pour ne pas gagner un mille, au minimum, il faut que M. Ta allé avec un CEP. Mais pour le CEP, il faut un minimum d'entente avec le groupe sacré de Mondana. Donc, M. déplacer la loi Mondana. En garder, ça veut dire. Déplacer la loi Mondana veut dire que Ariel, d'abord, a une certaine volonté. Donc, même s'il est arrivé dans le sommet, il n'a pas de joindre avec Mounio, il a dit bon, moi, j'ai une bonne foi, moi, j'ai une bonne volonté, marcher avec yo, c'est lui qui parle entendre à REM. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que c'est un coup de maître. Que Ariel Henry posé là, l'elle a rencontré avec Mondana. Bon, maintenant, là, on a parlé au pire des cas que vous avez parlé. On dit qu'on y a là, vous êtes capable de joindre nous en tant. En tant que ça. On a rappelé que Mondana, la bataille pour un gouvernement bicéphale. Alors, ce que Ariel lui-même, il n'a pas voulu entendre des paroles, ça. Ariel Henry dit d'ailleurs, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de provision constitutionnelle légale pour mettre un président aujourd'hui. Eh bien, ça que Mondana contestait. Donc, Ariel Henry, avec Mondana, eh bien, ils passent aux mêmes positions, mesdames et messieurs. Bon, on dit que Mondana, bon, il a baissé pas de prétention. Il a dit, par exemple, bon, ok, pas un problème. Et, pas un problème, je vais moi avec vous, Ariel Henry. Ou à qui est président, ma bon président, ma propre ministre. Parce que si Ariel n'a pas de président, il doit dire, bon, ok, pas un problème. On met qui est président, moi-même, bon premier ministre. Est-ce que Ariel peut rentrer dans ça? Puisque Ariel t'a déjà dit, il n'y a pas moyen, justement, de mettre un président aujourd'hui au Palais national. Ariel Henry ne doit pas jamais voulu marcher dans la logique comme ça. Là, on a parlé de la mesure où M. Montana avait fait concession, vous avez dit, bon, Ariel, pas de problème. Comme nous, le bicéphale, on met le président, nous-mêmes, nous prenons la primature, parce que nous voulons pour nous diriger avec vous. Ariel Henry, probablement, pas marcher. Et s'il t'a marché tout, t'as pas devenu incohérent dans la mesure où il était déjà dit, pas de moyens, pas de provision constitutionnelle pour mettre un président. Hein? Donc, maintenant, Montana, en dit t'a baissé pétition toujours, eh bien, Ariel a dit, mon cher, attendez, monsieur, dame, moi-même avec nous là, moi, je suis au pouvoir, je contrôle le pouvoir, je suis support de l'opposition à large, eh bien, je dis, ça m'a fait pour nous, je mette dans le gouvernement. Ma banon poste dans le gouvernement. Si Montana, par exemple, acceptait pour entrer à un poste, on est capable de dire en deux gouvernement, eh bien, Montana mourit dans le film. Non? Un, Montana pral sorti de prend pouvoir dans Ariel à un poste ministre ou bien des postes d'éducateur général. Donc, l'opinion publique, eh bien, pral conclu que Montana, c'est des jobs yotéyés. Hein? Projet que vous avez gagné pour, parce que vous avez un projet vraiment ambitieux, un projet pratiquement révolutionnaire malgré vous l'élection. Donc, ce faisant, dans pas un job dans Ariel, vous avez dit publiquement que vous même plutôt vous l'aide, vous là. Donc, vous avez fait ça pour montrer nous, dans tous les cas, hein? Presque dans tous les cas, eh bien, Montana, qui a un problème avec cette rencontre au sommet qui a eu chez Magali Komodeni. Ok? Que Montana, eh bien, bah sûr qu'Ariel prend d'accord pour l'entrée dans bicéphalisme avec Montana. Je ne sais pas si ça va chercher. Je ne sais pas Montana tout. Ariel tout pas l'accepter que Montana tout pas l'accepter pour entrer en gouvernement Ariel là. Mais l'essentiel pour Ariel, c'est que
li go bagay nan men, le li vin sommet des Amériques, li pral di nan sommet ya, que mes frères de l'opposition, puisque c'est moun sa qui ta, entre guillemets, symbolise l'opposition, li pa di m'ta rencontre moun sa yo, malheureusement, c'est yo même qui pa te vle avancer. Nous devons diriger avec yo, c'est pouvoir yo vle, donc, sous base ça, moi-même, je n'ai pas le choix, je avance. Et ça, il parle handicapé Montana. Et ça, il parle mettre Montana en difficulté devant yeux l'international. Parce que je ne dis pas bien, mesdames et messieurs, c'est l'international qui nous dirige. Donc, Ariel Henry, eh bien, en se déplaçant hier, M. Foucault de mettre M. Ariel rencontré Montana. Mais il faut nous dire, dans le contexte que Ariel rencontré Montana, c'est dans le contexte que Montana a faibli, mesdames et messieurs. Hein? Montana a faibli avec, eh bien, Fomin Lavalas. Hein, famille Lavalas qui ba Montana ont coutué hein on dit même jour famille Lavalas retire col dans accord Montana et c'est même jour ça Ariel Henry bao et bien la débarquer la caille Magali Komodoni donc bon dicton qui dit on négocie pas quand on est en faiblesse hein sinon on position de force on négocie donc je dis Ariel monsieur font coup d'œil. Je rends compte que Montana prend coup. Famille Lavalas qui était une plus grosse force en dedans à cause de la école. Parce que prétexte là, il dit que Montana, il n'est pas d'accord que c'est 50 personnes qui mettent un président, qui mettent le fils de président. Il n'est pas d'accord que c'est 50 personnes qui mettent un président, premier ministre. Donc, moi, je dis prétexte parce que c'est pas aujourd'hui. Je te connais. Que 50 monde, c'est pas jodi, yo te connais que c'est 50 monde qui met président, c'est 50 monde qui met ton premier ministre en Montana. Yo te connais. Yo te connais. Yo pas jamais vraiment totalement dénoncé, mais jodi, non momentum donné, eh bien yo baille Montana frappe là et son frappe terrible mesdames et messieurs. Montana avec on est capable dire la dissidence de famille Lavalas, Montana n'est plus qu'elle était avant, c'est-à-dire perd du plume. Et c'est sous bazar, eh bien, ça qui passait, eh bien, Ariel Henry, eh bien, vos yeux, les fissures là, eh bien, Ariel Henry, mesdames et messieurs, que nous n'avons pas parlé, mais qui semble son franc calculateur, eh bien, monsieur débarque à Magali Komodoni, la négocier avec elle, la discuter avec elle, tout au moins, dans le moment que Montana faible. Hein? Ça sonne beaucoup, hein. Donc, Montana en situation côté que il perd du gros allié que l'église de famille Lavalas, Josia, il face à Jovenel Moïse, il face à Ariel Henry, non, débat politique. Donc, il y a une situation extrêmement difficile pour Montana. Qui ça dit, qui ça sorti dans le conseil, non pas qu'on est, mais je vous le garantis, mesdames et messieurs, dans un délai qui n'est pas trop long, n'a dit non, et bien qui ça sorti dans le conseil. Mais ça pour nous retenir, mesdames et messieurs, matin, c'est que Ariel Henry s'est déplacé hier soir, et c'est Gazette Haïti qui était baillé en primeur. Même si vous avez des médias qui automatiquement relayé deux heures après, mais vous pas dit qui côté rejoignez des médias, des monde qui t'a doué, qui ont un minimum de probité intellectuelle, de monde qui t'a doué respecter métier, et bien vous pas fait. Bon, c'est pas grave. Mais c'est toujours nous-mêmes qui baillons des informations importantes dans le pays. Et là, nous baillons information, nous vérifions. Hier, bon monde, vous avez fait une sortie tweet là pour nous annoncer, raconte ça entre galerie avec Magali Denis, il y a des monde qui écrit fake news. Nous tombons rire parce que nous pas contre les fake news. Nous pas faire partie de médias qui fait sensation. Nous pas faire partie de médias qui ont menti, qui est dans situation pour dire excuse-moi. Non, non, bonne nouvelle là. Non seulement nous annoncer rencontre là, en taillant avec Magali Komodoni, mais après nous avons fait des fake news là, une heure plus tard, nous faisons un deuxième tweet pour nous dire la rencontre se poursuit et il y a deux heures de cela. Donc, nous avons information en main nous et ces informations là nous avons hier soir. Et effectivement, mesdames et messieurs, la rencontre a eu lieu pendant des heures et entre Magali Komodoni et cette réunion en tête à tête. C'est votre réunion avec le comité de Montana. Est-ce qu'on y a une rencontre qui a débouché son plus large rencontre? Parce qu'il est question, selon ce qu'on m'a rapporté, de débroussailles terrain entre deux groupes saoudiens qui deviennent pratiquement deux de matelotes. Il y a une date rencontrée l'autre. Mais si c'est une rencontre de débroussailles terrain, ça veut dire que Montana avec Ariel Henry par exemple pour rencontrer. Et Ariel Henry, d'après tout ça, apprend, mesdames et messieurs, Ariel Henry, effectivement, il prend la situation pour craser le gouvernement qu'il a. Hein? Ariel Henry prend la situation, la craser le gouvernement qu'il a, et pour le fond, l'autre gouvernement. L'homme dit craser,
Est-ce que son crasé total capital ou est-ce que son replâtrage de gouvernement pour intégrer tout le monde? Je ne sais pas. Mais ça qui est certain, c'est que Ariel Henry, d'après ça, il dit moi, mesdames et messieurs, Ariel Henry voulait faire un jeu doux à deux équipes. Ariel n'a pas aucune intention, il faut que je précise, il n'a pas aucune intention pour l'ouvrir gouvernement là, pour le fond, on rebrasse, comme si pour le craser net. D'après ça, il dit hier soir. Mais je n'ai pas aucune intention pour le craser gouvernement, pour la faire ouverture largement large pour tout le monde. Non! Gouvernement, ça, si on a besoin, c'est la donne ou à venir rentrer. Et monsieur, il y a deux équipes seulement visées. Monsieur visait l'accord PEN Montana. Depuis monsieur, je nous entente avec Montana PEN, parce que pas oublier que le PEN est constitué du premier groupe qui a négocié pour tes matériels, qui a été quitté, l'aller pour contenir, qui est là-dedans, Jure la Tortue, qui est là-dedans, Marie-Denise Claude, qui est là-dedans, le monde, d'un coup, Lambert, hein? Lambert tout dans PEN, hein? Même s'il est dans le Sénat, mais monsieur tout sont alliés de PEN. Donc, monsieur Vlé, m'a parlé de Ariel Henry, mesdames et messieurs, qui s'est montré très stratégique, hein? Du moins, même si le pays a soit faible, pas bon, mais politiquement, Ariel Henry, monsieur, non seulement il veut neutraliser l'opposition, mais je vous dis à monsieur, a déposé pion. Hein? Monsieur Vlé, mesdames et messieurs, ça c'est information à Banou, monsieur Vlé, chita, avec Montana PEN, eh bien, pour venir en tant politique, pour ouvrir le gouvernement là-bas, Mounsa est rentré, et puis le fermer ça une fois pour toutes, pour le capable de faire un KEP, pour le capable de mettre KEP sous pied du conseil électoral provisoire, qui amène vers des élections. Est-ce que Ariel Henry pourra réussir, eh bien, ce coup de maître, on ne sait pas. Mais mesdames et messieurs, hier soir, M. Makipoyan, M. Ali, M. Déplacé, là, on est ses chefs gouvernement. Président en même temps, ou t'as même dit son allié. Parce que pas de parlement, pas de rien qui a contre le pouvoir. Je prends tout côté, il débarque la caille, un leader de l'opposition. Ça veut dire ce que ça veut dire. D'abord, il s'est montré simple. Il a dit que monsieur dit pas de problème pour la caille, ses adversaires. Et c'est un signal clair envoyé à l'international et qui témoigne, à bien des égards, sa bonne foi de négocier. Et que Montana a négocié avec elle, qu'elle pas négocié avec elle. Et bien Montana, et bien sous route pour le perdu dans le jouet là. Est-ce qu'Ariel Henry a gagné? Pour autant, je ne suis pas fini. Mais au moins, il a gagné en première manche ou bien en deuxième manche dans la bataille là.